Salut à tous, c'est Atomix, on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel qui va vous apprendre à améliorer votre connexion internet, à rendre votre PC en gros plus rapide pour tout ce qui est internet. Donc ce tutoriel va être en un tutoriel, mais il sera composé de trois parties. Chaque partie contenant une petite astuce pour booster votre connexion internet. Donc on va tout de suite commencer par la première astuce. C'est parti. Donc pour commencer, vous allez aller dans votre panneau de configuration. Donc si vous êtes sous Windows 8, vous allez dans paramètres, panneau de configuration. Et si vous êtes sous Windows 7, ben, c'est tout simple, il y a le petit bouton démarrer, vous recherchez panneau de configuration et vous faites Enter. Alors, on va aller ici dans Réseau et Internet, afficher l'état et la gestion du réseau. Vous cliquez. Ensuite, vous cliquez sur votre connexion Internet qui se situera juste ici. Puis là, on se retrouve avec une nouvelle fenêtre. Vous allez faire Propriétés. Ensuite, vous descendez et vous cherchez, normalement il sera en dernier, hein, vous cherchez Protocole Internet version 4 TCP IPv4. Vous faites propriété après l'avoir sélectionné. Ici, à la place de mettre obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement, vous mettez utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. Et dans serveur DNS préféré, vous mettez 8, 8, 8 et 8. Et dans DNS auxiliaire, vous mettez 8, 8, 4 et 4. Ensuite, vous faites valider les paramètres en quittant et vous faites OK. Ensuite, vous pouvez faire fermer. Il y a une petite détection qui se fait. Vous attendez que ça se finisse et vous pouvez faire fermer l'utilitaire de résolution des problèmes. Vous pouvez tout fermer. Et voilà, et vous avez déjà un petit peu amélioré votre connexion. Donc on va tout de suite passer à la deuxième astuce va se passer. Non pas dans le panneau de configuration, mais vous allez rechercher, donc vous allez faire une recherche. Donc pour Windows 8, ben, c'est dans la barre juste ici, et pour Windows 7, ben, c'est la recherche juste ici, au-dessus du bouton démarrer. Et vous allez rechercher exécuter. Vous faites Enter, et vous vous retrouvez avec une petite fenêtre comme ça. Vous allez rechercher, comme moi, je l'ai déjà fait juste avant, Regedit. Donc R-E-G-E-D-I-T. Vous faites OK. Là, vous faites oui. Et vous vous retrouvez avec ceci. Donc vous allez arriver, ce sera comme ça. Alors, donc vous allez ouvrir le dossier HK Local Machine. Ensuite, vous allez ouvrir Système. Ensuite, vous allez ouvrir Current Control Set. Puis, vous allez ouvrir Service. Et après, vous descendez très bas pour trouver trouver TCP/IP. Voilà. Ensuite, vous ouvrez TCP/IP et vous allez dans Paramètres. Donc, vous sélectionnez Paramètres. Et ici à droite, donc vous avez une liste comme ça qui apparaît. Vous allez faire clic droit, nouveau. Si vous êtes en 32 bits, vous faites une valeur DWORD 32 bits. Et si vous êtes en 64 bits, vous faites une valeur QWORD 64 bits. Donc moi je suis en 64 bits, donc je vais faire une valeur QWORD. Voilà. Alors, votre valeur, vous la renommez. Enfin, vous lui donnez le nom que je vous mettrai dans la description. Donc moi c'est juste ici. Donc la valeur qui est, donc la première valeur qu'on a nommée, on va la renommer. Attendez. Donc vous prenez le nom que je vous aurai mis dans la description. Donc ce sera ça. Ctrl C. Hop. Modifier. Dans nom de la valeur, vous mettez donc le nom que je vous aurais mis dans la description. Pourquoi il veut pas? Ok, donc c'est pas grave. Ici vous mettez 1 et là vous mettez hexadécimal. Vous faites OK, vous faites clic droit, renommer, et vous nommez la valeur comme ceci. Donc le nom sera dans la description. Au pire, vous faites pause et vous regardez c'est quoi le nom. Ensuite, on va faire une deuxième valeur, vous faites nouveau. Là, de nouveau, si vous êtes en 32 bits, vous faites ça. Si vous faites
vous êtes en 64 bits, vous faites celle-là. Et cette fois-ci, on va la renommer Global Max TCP Windows Size. Donc, renommer. Voilà. Ensuite, vous faites clic droit, modifier. Dans la valeur, vous mettez 64240. Et vous mettez en décimales. Vous faites OK. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez fait vos deux valeurs. Donc, il faut bien vérifier que donc celle-là soit en valeur 1 et en hexadécimal. Et celle-là soit en valeur 64240 en décimale. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Et vous pouvez redémarrer votre ordinateur pour bien finaliser la modification. Donc une fois que on a fait la deuxième technique, donc la troisième, c'est de nouveau dans la recherche que ça se passe. Et vous allez rechercher gpedit.msc. Vous faites Enter et il y aura une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Donc je vais agrandir pour que vous voyez bien. Vous allez aller dans modèle d'administration ici à gauche, ensuite à droite vous allez double-cliquer sur réseau, puis vous allez double-cliquer sur planificateur de paquets QoS, et ensuite vous faites un clic droit sur limiter la bande passante réservable et vous faites modifier. Donc là en fait si on lit un peu ce qu'il est écrit, on nous dit que notre système utilise que 80% de la connexion par défaut. Donc nous, ce qu'on va faire ici, en fait, c'est faire que l'ordinateur utilise 100% de la connexion. Donc pour ça, vous allez mettre activé. Et à la place de 80, vous allez mettre 0. Et donc, ainsi, votre ordinateur n'aura plus de limite, vu que la limite sera à 0. Et donc il va utiliser 100% de sa connexion. Là vous faites appliquer et puis OK. Ensuite vous pouvez quitter. Et voilà, et vous pouvez redémarrer votre ordinateur pour de nouveau bien, être sûr que tout se mette bien comme il faut quoi en gros. Donc voilà, c'est ici que s'arrête ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. À plus !